Boker Tov, Yom Tov et Samer, l'école Am Israël, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 du mois de janvier, ainsi que le Kafret du mois de Tevet. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Je suis racheté ce matin par Gina Shelly, pour l'élévation de l'âme de sa maman Yekara, Rivka Odette Bat Mathilde, Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion, Bechol Ashorvot Imah Bichlal Arachamim. Vasilichot, Vichen, Yehiratzon, Venomar, Amen. Yehien, Nishmatat, Tzroch, Haim, Yehiratzon, que le mérite de cette étude, Be'ezrat Hashem apporte beaucoup de mazal à Gina Shelly, Ufren, Yalet, Nishmata, Shalmorat, Ima, Rivka, Odette, Bat, Mathilde, pour tous nos blessés, Be'ezrat Hashem, Rufoua, Shlemach, Lamamira, le Kol Chole Israël, et Nishmat, Kol Mete Israël, Be'ezrat Hashem, Hashem, Kom Damam, Ufren, Shakadul Chou Yerzir et Kol à tous les otages, Il a fait là le aura Bezrat Hashem Brim ou Shlemim Levetam, ou Fren Bezrat Hashem, Mishmor et Kol Chayalin ou Votan Mikol Sarah ou Mtsuka ou Mikol Nega ou Machala, Begeoula Shlema, Amen, Ve Amen. Un sujet aujourd'hui qu'on va développer par rapport bien sûr à la paracha de la semaine, mais qui nous concerne tous, d'ailleurs même juifs comme non-juifs, à savoir les dix plaies. Pourquoi je dis juifs comme non-juifs? Parce que les dix plaies, elles ont eu lieu pour les juifs ou pour les non-juifs d'après vous, dans l'Égypte? Les deux, bonne réponse, on n'a pas de temps. Les deux, absolument. Et on va comprendre pourquoi les deux. Les dix plaies sont venues frapper les Égyptiens, mais aussi donner un message aux Hébreux, et pour finir, frapper aussi les Hébreux. Puisque 80% des Hébreux périront dans la plaie du Rocher. Donc, elle n'est pas venue que pour les Égyptiens, comme vous l'avez compris. La question avec laquelle j'aimerais démarrer, les réponses que nous allons constater ensemble, venues de plusieurs livres écrit sur cette question-là, c'est, est-ce qu'on est tout le temps obligé de souffrir? Il n'y aurait pas moyen d'arrêter de souffrir? Il n'y aurait pas moyen d'arrêter d'avoir des plaies et des épreuves les uns après les autres, les autres après les uns? C'est une fatalité, la souffrance. On est obligé de chaque pas que l'on fait pour essayer de gravir les échelons de la vie et d'avoir une vie épanouie, alors qu'on sait que l'homme a été créé au Gan Eden. Donc il est naturel que l'homme recherche l'harmonie, le paisible, la paix. C'est normal puisqu'on vient de ce monde-là. On vient d'un monde où quand la neshama de l'homme a été créée, elle a été créée dans le Gan Eden, où on le servait, où on lui donnait tout ce côté luxueux que chacun de nous, d'une certaine façon, recherchons à des degrés différents. Ils sont peut-être plus simples, plus luxueux, moins luxueux. Il y a des gens qui vont se contenter de peu de nature. Je me rappelle, il y avait un bonhomme qui avait gagné un loto de 50 millions d'euros. Il a dit, je vais enfin pouvoir m'acheter ma Renault Clio. Bon, je trouvais ça très mignon. 50 millions d'euros, il a acheté une Clio. C'est mignon. Il y a des gens, ça leur suffit. Il vivait du côté de Chamonix, là-bas. Il avait gagné un loto. Il a fait une émission avec lui. Il s'est montré, lui. Il n'est même pas caché comme ça. Je trouve ça assez mignon de rester... c'est vrai que toutes les voitures roulent. Hein, il n'y a pas besoin de... Mais bon, pas exagérer non plus. Vous freinez les dix plaies, est-ce que c'était vraiment utile? Il suffisait simplement d'une seule plaie à la limite, hein, un tremblement de terre à Paragoshen où étaient les Hébreux pendant la nuit, tout s'effondre, voilà, puis Nick Marasipour, ou même plus que ça encore. Je me souviens qu'il y avait un film, il y a bien longtemps de cela, en noir et blanc, où dans tout un très grand village comme ça, tout le monde s'était endormi, sauf les enfants. Tout le monde s'était endormi. Bon, bah, on va prendre cette idée. Stam, Dieu, il va endormir tous les Égyptiens d'un sommeil profond. Ok? Comme il a endormi Pharaon, qui faisait ses cauchemars, il a eu peur. C'est-à-dire, il a pris un Hébreu, il a rendu vice-roi d'Égypte. Donc, pourquoi ne pas utiliser la douceur, le langage, le pourparler, je sais pas, quelque chose qui... Vous allez me dire, mais ça a été fait. Ça a été fait, je vous avais expliqué que quand Moshe, qui était bègue, et qu'avait de la chaune, qui avait du mal à sortir ses mots, il est venu devant Pharaon. Pharaon, il a dit, dis-moi, si tu viens au nom de Dieu, il m'envoie un raté comme toi, un mec qui bègue, qui comprend rien à ce qu'il raconte, t'as besoin d'un intermédiaire parce qu'il n'y a que lui qui te comprend. C'est ça, un peu comme Balak qui envoie des émissaires chez Bilham, et Bilham, il les renvoie en disant, quoi, tu m'envoies du souk bête, deuxième main, tu m'envoies, tu peux même m'envoyer des ministres de haut niveau pour venir me chercher. Donc Pharaon, il voit Moshe Rabbeinu, il essaie pour parler, mais ça ne le fait pas. Et pourquoi ça ne le fait pas? Parce que quand tu n'as pas envie de laisser sortir quelqu'un, en réalité, qui que tu envoies, même Dieu lui-même, même si c'est Dieu lui-même, où il voit Dieu, il ne les laisse pas partir. Et même quand il les laisse partir, il regrette, il les poursuit dans la mer rouge. Donc on voit qu'en réalité, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, et il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre.
même si on nous envoie ce qu'il faut, même si on apporte des preuves de la légitimité du droit de l'existence, même si on apporte des preuves, des photos, des preuves, des films, des témoignages, rien à faire. Quand tu as... Encore une fois, l'histoire s'est toujours répétée. Tu sais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, pendant tout ce qu'on a vécu, et même... les pays entre eux, ce qu'ils ont vécu au niveau des guerres avec des preuves, bon ben c'est sûr que celui qui est anti, il est anti, il n'y aura rien à faire, il prend un parti, c'est un préjugé. Et c'est pareil dans les couples aussi. Les parents d'une fille mariée avec un garçon vont tout de suite de façon naturelle prendre la défense de leur fille. C'est rare de voir... Il n'y a que chez nous les juifs, à Emet, il n'y a que chez nous. Je crois qu'on est le seul peuple au monde ou être ceux qui allons prendre la défense de l'autre contre nous. Je pense qu'on est une exception à la règle. C'est-à-dire parce que le juif va jusqu'au bout de ses pensées personnelles et quand il les aime, va les exprimer, sans tenir compte aussi de la sagesse, de sa singesse. C'est pas le sujet que je veux développer. En tout cas, la question est, pourquoi Diplay, pourquoi l'a-t-il à Kojourou jongler avec Diplay face à l'Égypte? Et puis, je vais changer ma question qui va encore beaucoup plus loin. Pourquoi fallait-il l'autorisation de l'Égypte pour partir? Ils ont mis en esclavage. C'est eux qui ont commencé. On part, on fait ce qu'on veut. Non, il faut que Pharaon nous renvoie du pays d'Égypte. Il y a énormément de réponses à cette question qui pourraient être d'ailleurs un cours pour lui-même. Je vais en donner une seule. Les Hébreux n'avaient pas fini leur temps en Égypte, 400 ans, c'était pas fini. Il fallait donc que Pharaon lui-même accepte l'idée qu'il part. C'est une des réponses sur les 13 ou 14 que je connais à donner. C'est moi, c'est juste pour me débarrasser de ça. Alors, ce qu'on va comprendre, c'est que Akadosh Baruch Hu, il est justice. On le dit dans chacune de nos prières, surtout quand on arrive au moment de Rosh Hashanah, du renouvellement du Mazal. Adonai Hu Ha Elohim. Dieu est justice. Et dans le Brit Ben Ametarim, où on nous annonce la descente des enfants d'Israël dans un pays étranger où ils seront mis en esclavage, qu'est-ce qui a marqué? Vegam Dan Et Agoy. Et voici que je viendrai juger la nation qui vous aura asservi. On a expliqué hier pourquoi cette nation a puni, parce qu'elle a pris du plaisir à nous punir, et que ce n'était pas prévu, par contre, ça, dans l'Alliance. Ne sois jamais quelqu'un qui te réjouit de faire du mal. Ne sois pas le leader d'une mauvaise nouvelle. C'est le cours d'hier. Mais Akadosh Baruch Hu est justice, et donc, comme il est justice, il a mis en pratique ce que l'on appelle Mida Keneged Mida. Les Hébreux ont subi 10 sévismes précis en Égypte, à part les dérivés. 10. On va prendre le dernier. Pourquoi est-ce que les Égyptiens meurent-ils dans la 11e plaie d'Égypte cachée dans l'eau? Pourquoi est-ce qu'ils meurent là-bas? Ah, parce qu'il a fait un mauvais calcul. Il a dit, non, non. On parle de Mida Keneged Mida. Ah, ils ont voulu tuer les... Voilà, bonne réponse. Ils ont voulu tuer les Hébreux en les jetant dans le Nil et les noyer. Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, le mal que vous ferez, que vous avez fait aux Hébreux, ce même mal-là, vous le paierez. C'est-à-dire, vous avez empêché les enfants d'Israël d'aller au Mikvé, dans le Nil, qui est une source naturelle, pour qu'elles se purifient de leur sang, le sang est devenu du Nil. Le Nil est devenu du sang, pardon, c'est le contraire. Et chaque plaie qui a été faite, j'ai fait un cours qui s'appelle Mida Keneged Mida, les 10 plaies face à pourquoi, donc toratrahim.net, vous regarderez là-bas. Et là-bas, j'explique que chaque plaie vient réparer une des souffrances qu'ils nous ont fait subir. C'est là. Mais la reine, étant donné que Dieu est justice, 10 souffrances. C'est mal d'avoir donné, une fois il y avait un prince, il a été attrapé par un duc. Et le duc, il a ignoré que c'était le fils du roi. Et il lui a donné 10 coups de fouet très difficiles qui ont marqué au plus profond de sa chair le prince. Quand le roi, il a vu ça, il a demandé où était ce martinet. Alors, il était content, il va certainement le casser. Et au même endroit où il a frappé son fils, le roi lui-même est venu le frapper. Et il hurlait. Alors il a posé la question à son fils, est-ce que toi tu hurlais comme ça ou plus fort? Il a dit plus fort, il a frappé encore plus fort. Ce que tu as fait subir, tu le subiras, comme le dit la Mishnah, avec Hillel Azaken, qui voyait un crâne qui disait, non, on l'a vu ensemble, c'est parce que tu as noyé que tu mourras noyé. Aucune souffrance dans ce monde ne vient pas si elle n'est pas justice. Deuxième explication, on avance,
Tout simplement pour le choix de faire teshuva. Ils sont empreints de zima, ils sont empreints de débauche, ils pratiquent la vodazara, il y a un mytho qui leur dit qu'il est Dieu. Donc si Akadosh Baruch Hu avait frappé d'une seule plaie l'Égypte, ben Dieu, pourquoi tu fais ça? Tu nous aurais prévenu, on aurait parlé, on aurait se serait arrangé, on les aurait laissé sortir. Donc tu crées des humains pour les tuer, c'est pas intelligent. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Léat, léat. Voilà, on fait un premier pas. Tu fais tshuva? Deuxième pas. Tu fais tshuva? Sur ce, Alpi Kabbalah, il faut savoir que quand on tombe malade d'un endroit, par exemple, le doigt, Chas v'Shalom, il a un problème. Cette première plaie qui arrive, c'est parce que Dieu veut t'indiquer quel est le membre qui a fauté. Peut-être que tu as dit, c'est lui. Tu as fait du lachonara, tu as montré quelqu'un. Si la personne dit, oh là là, j'ai un oncle incarné, ça me saoule. Et c'est tout ce qu'il envoie, il ne se pose pas les bonnes questions. Akadosh Baruch Hu va éloigner la maladie de l'endroit qui aurait pu lui indiquer comment faire teshuva, au pouce, au coude, à l'épaule, et pas dans le bras, il va l'éloigner. C'est pour ça qu'il y a marqué « J'endurcirai son cœur ». Au début, je t'ai montré « Arrête de verser le sang de mes enfants. Le sang, c'est la vie. En maïm et la Torah. J'ai emmené mes enfants dans ton pays pour qu'ils reçoivent la Torah. Et toi, tu as versé leur sang. » Première plaie d'Égypte. Il n'a pas compris les Tzvardéa, il n'a pas compris les Kinim, il n'a pas compris les Arov, il n'a pas compris les Puces, il n'a pas compris jusqu'à ce qu'on arrive à Makabé Chorot. Tu ne comprends pas. Un baya. Beat Hazaka. Au début, je n'avais qu'une main qui était forte, mais comme je vois que tu ne comprends pas, au Bizroan et Touya. C'est avec mon bras, c'est pas au début. Ça, je te donne ça. Pourquoi Medak et Megamida? Je t'ai donné mes enfants, je t'ai donné la main, tu auras pris le bras. Vous connaissez cette formule. Là, tu lui donnes ta main, il prend tout le bras. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a rendu? Mida keneged mida. Donc, pour avoir le choix de faire teshuva, il faut toujours aller doucement. Tu préviens, un avertissement, deux avertissements, trois avertissements, cinq avertissements. À un moment, ça y est, Nigmar. Montrer, autre explication, un point qui était utile pour toute l'humanité. Vous savez que la raison pour laquelle les gens se sont créés des dieux, vous savez pourquoi ils ont créé des dieux l'Olin, appelé Zeus et Jupiter chez les Romains et ainsi de suite. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est pas concevable pour eux que Dieu puisse tout diriger. Il y a le dieu du ciel, il y a le dieu de la beauté, qui est tunisien, Apollon. Il y a le dieu de l'océan, qui s'appelle Poséidon, Chazak Baruch. Il y a le dieu de quoi? Des éclairs, Zeus. Il y a le dieu de la Tfiné, du Batata Belhem, Belkamoun, Couscous Boulette. Il y a le dieu de chaque chose. C'est Lama. Parce que pour eux, c'est impossible, comme le dira Titus, quand il s'est battu et a détruit le temple, le deuxième temple de Jérusalem, il a commencé à frapper avec son glaive le rideau qui séparait le Kodesh HaKodashim du Beth Amikdash, vous savez, la parochette. Et quand il a donné des coups de glaive sur le rideau, Dieu l'a fait il a fait couler du sang, style « tu m'as tué ». Il était fier, il était content. « J'ai tué le Dieu des Hébreux ». Ouais. Quand il est monté sur sa galère, il ne savait pas qu'il allait autant galérer. Il est sur l'océan, Akadosh Baruch Hu commence à faire monter les vagues contre lui. Il voit que le bateau va bientôt chavirer. Qu'est-ce que fait Titus, très fier? Il dit, j'ai compris une chose. Le Dieu d'Israël n'est fort que sur l'océan. Ça doit être un pote de Poséidon. Sur terre, je peux l'éclater, moi-même. Sur l'eau, il a gagné. Alors il dit à Dieu, ok, c'est bon. L'histoire dira que tu m'as vaincu sur l'eau et que moi, je t'ai vaincu sur terre. Tout de suite, la mer s'est arrêtée. Il est arrivé à bon port. Il descend à Rome, il va dans son château, et voilà que dans son palais rentre un moustique par sa narine qui s'installera dans son cerveau et qui lui dévorera au point de devenir aussi gros qu'un petit pigeon à l'intérieur de son cerveau. Voilà comment est mort Titus. Mais qu'est-ce qu'on constate de l'histoire? Que pour eux, le Dieu d'Israël, il est peut-être fort sur ce côté-là et pas à la base. C'est pour ça que Bilham, quand il va maudire les enfants d'Israël, il va aller dans tous les coins. Il veut dire peut-être que là, ils ont eu de la chance. Mais Shanemakom, Shanemazal, tu changes d'endroit. Mais Dieu, il est partout, il est omniprésent, il est omniscient. Il est dans le ciel, il est dans la terre, il est sur la terre, il est partout Hachem, il vient même de, il dirige l'espace. Dieu est dans tout, Dieu contrôle tout, il sait ce que pense chaque humain sur terre. Chaque justice est parfaitement synchronisée, il n'y a aucune erreur chez Hachem, il a même créé le temps, ce qu'aucune aiguille ne peut être aussi précise que Dieu lui-même. Et cette idée-là était inconcevable pour l'humanité, qu'il puisse y avoir un Dieu qui contrôle tout, qui lit les pensées, qui sait si un animal au fond de la terre là-bas, quel bled, ou un poisson, qui c'est pas le moment de mourir, et un poisson qui court derrière, il va lui donner une planque. Mais attends, Dieu, il peut pas être partout à ce point-là.
Donc il fallait les diplômer pour montrer à tout le monde que oui, Dieu contrôle absolument tout. Il peut changer de l'eau en sang. Il peut ouvrir la mer, l'océan, chose qui est inconcevable. Il a montré dans les plaies que le Créateur du monde dirige l'océan. Il a montré qu'il dirigeait la terre avec les plaies qui sont abattues, avec l'espace, le barad, oui, mais en français, la grêle, avec le feu qui venait de l'espace, qui se sont abattus. Il a montré qu'il dirigeait avec Baruch Hashem les sauterelles, avec tout ce qui venait d'en haut, les animaux. Il a montré qu'il dirigeait le ciel, la terre et les océans. Et pour cela, il fallait donc faire une réunification de toutes les couronnes, que Hashem peut tout, dans tout et partout. C'était un message qui ne pouvait pas se faire avec une seule plaie. Barour, barim brourim, comme on dit chez nous. Ce sont des choses claires. Oufren, encore une explication. C'est parce que les enfants d'Israël étaient arrivés au 49e degré d'impureté que les 10 plaies ne pouvaient que intervenir. Vous savez, quand quelqu'un a une très grave maladie, tu vas lui donner une dose. La dose est trop faible, qu'est-ce que tu fais? Tu rajoutes une dose. C'est ce qui m'est arrivé. Ce que j'avais comme médicament pour me guérir était trop faible. Après les résultats, ils m'ont doublé la dose, ils m'ont donné là du waouh. Et grâce à Dieu, Baruch Hashem, j'ai fait ce qu'il fallait faire, là je t'adoute de prendre le médicament, et je vais beaucoup mieux. Résultat des courses, pour remonter les 10 plaies, les 49e paliers d'impureté, et réinsercer de la Emouna au sein du peuple d'Israël, eh bien l'ordonnance était 10 plaies. Pendant 10 jours, tu prends des antibiotiques. Ce sont les 10 plaies. Les Mad Avardomé, dans ce cas-là, on va dire, ben, si le problème c'était les Hébreux, pourquoi est-ce que les Égyptiens les ont subis? Il y a une très belle métaphore qui dit la chose suivante. Un jour, une maman qui avait son bébé s'est rendue compte qu'elle n'avait pas de lait. Elle a demandé à sa nourrice qui elle-même venait d'accoucher si elle pouvait aussi nourrir son nourrisson. Et voilà que la nourrice a nourri ce nourrisson. Seulement, le nourrisson est tombé malade dès qu'il a bu le lait de cette nourrice. Les médecins ont dit qu'il fallait absolument qu'il prenne des antibiotiques extrêmement amers. L'enfant ne pouvait pas les boire lui-même, tellement c'était dégoûtant. Alors, la maman a ordonné à la servante, à cette nourrice, de boire ce médicament. Et elle a refusé, elle dit, mais putain, pourquoi voulez-vous que moi je boive un médicament pourri pour sauver votre fils? C'est votre fils. Et à ce moment-là, la maman lui dit, parce que si mon fils est malade, c'est parce que ton lait est malade. Donc comme ton lait est malade, il a rendu mon fils malade, en buvant toi-même de ce médicament, tu guériras toi-même, et mon fils continuera à boire ton lait, mais maintenant guéri. Qui est cette nourrice? C'est l'Égypte, qui est la maman, la Shrina, qui est l'enfant qui est tombé malade et qui a bu de la culture égyptienne, les enfants d'Israël. Dieu a donné donc les antibiotiques, les 10 plaies, qui devaient être absorbées par l'Égypte. Et ainsi donc, quand les Hébreux ont vu que l'Égypte elle-même avait soigné leur façon et qu'ils ont dit « Etzba Elokim I », voilà le Dieu d'Israël, c'est plus Pharaon, ils ont commencé eux-mêmes à retrouver la Emouna. Donc il fallait prendre tout simplement la dose nécessaire pour remonter les 49 paliers d'impureté qui se composaient de 10 plaies au niveau de l'ordonnance. C'est plus ou moins comme ça que les choses nous ont été expliquées pour guérir. On voit que dans ce monde, tant qu'un tikkun n'est pas fini, il doit durer. Vous savez, encore ce matin, quelqu'un m'écrivait « J'en peux plus de ma vie, je suis à bout, qu'est-ce que Dieu veut chez moi ? Je n'y arrive plus, j'ai plus de force. » Je j'ai pas de solution, j'ai tout fait, j'ai tout essayé. On dit en un mot en tunisien qui veut tout dire, klakt. Ce mot-là, il est indescriptible, klakt. C'est là? Il y a des mots très forts en tunisien. Comment tu dis non en arabe tunisien? Le. Comment tu dis quoi? C'est pas possible, j'aurais jamais cru. Le. Tu vois, c'est incroyable. Tov. Oufren, un tikkun, quand il doit avoir lieu, il ne va pas dépendre de ta volonté à toi. Il va dépendre de ce qu'il y a à réparer. Imaginez que pendant une salle d'opération, le malade est anesthésié de façon locale et il dit à ce moment-là « Bon allez, fermez tout, j'en ai marre, je veux rentrer dans ma chambre. Couché, tais-toi. » Imaginez le mec, il a pris 10 ans de prison et au bout d'une semaine, il dit, je veux parler au directeur. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'en ai marre. Je craque, j'en peux plus d'être en prison. Alors, le directeur, il dit, écoutez, vous en avez pour 10 ans, monsieur. Patience, hein? Patience.
Et pourquoi? Parce que vous devez payer votre dette à la société. Vous avez été condamné, et la justice, selon le Takanon, vous a donné 10 ans de prison. Et la personne, elle dit, ouais, mais moi, je ne supporterai pas 10 ans de prison. Ben oui, mais le problème qu'il y a, c'est que ta vie n'est pas finie, et on va voir que, par exemple, je vous ai noté ici quelques exemples, combien d'épreuves a eu Abraham, plus douloureuses les unes que les autres? 10. Est-ce qu'il a dit, j'en veux pas? Est-ce qu'il s'en est plaint? Non. Est-ce qu'il les a réussies? Est-ce qu'il est sorti glorieux? Bonne réponse. Combien d'années Yaakov a-t-il souffert avec Laban? 21 d'années, 22 ans? Nachon, travaillé 7 ans, puis encore 7 ans, puis encore 6 ans. Nachon, vous vous rappelez ou pas? Est-ce qu'il a eu le choix à souffrir autant, avoir été arnaqué autant? Très bien. Combien il a fait d'années, Yosef Hatzadik? Il a fait 12 ans de prison. 10 ans. Pourquoi 10 ans? Parce qu'il a parlé de ses 10 frères. Pour chaque lachonara qu'il a fait sur ses frères, il a payé une année de prison. Et ensuite 2 ans parce qu'il a dit 2 mots au maître et chanson, pour lequel, Bissiata Dishmaya, il va aussi payer pour ça 12 ans de prison. Mais si vous regardez bien, tous sont sortis glorieux, tous sont sortis plus grands. C'est pour cela que la plus grande force d'une épreuve, c'est pas de tenir l'épreuve, c'est de ne pas s'en plaindre. La force d'une épreuve, c'est de comprendre que cette épreuve qui est là te prépare quelque chose de beaucoup plus grand pour plus tard. Alors ne perds jamais espoir et continue à te battre. Lève-toi, comme avait dit l'autre, serre les poings et lève-toi. Hein? Bats-toi, il avait dit exactement. Tof. Oufren, on continue. Encore une explication. C'est parce que nous allions recevoir les 10 commandements qu'il y a eu les 10 plaies. Et quel rapport entre les 10 plaies et les 10 commandements, monsieur Zerbib, d'après vous? Quel tikkun de quoi? Les 10 plaies et les 10 commandements, quel rapport? On est dans les 10 plaies là. Écoute ce que je te dis. Je vais te dire des bêtises. Je suis en train de te dire quel lien y aurait-il entre les 10 commandements et les 10 plaies. Je n'ai pas parlé de Sphirot. Les Sphirot, c'est la suite. Vayom erim shamoa tishma bekol adonai elohecha. Vasita et kol asher. Achon. Vasantal mizotam. Shamata kol chukav. Kol amahala asher lo samti be mitzrayim. Lo asim elecha. Si tu fais la Torah et les mitzvot, tels que je vais te donner les 10 commandements, alors les 10 plaies d'Égypte ne viendront pas sur toi. Kol amahala asher samti be mitzrayim. Lo asim elecha. Si tu dis ça, ça veut dire quoi? Si tu dis à quelqu'un, si maintenant je vais te donner la Torah et les mitzvot pour Arsinaï pour te faire grandir, si tu ne respectes pas la Torah et les mitzvot, ouais, toutes les maladies que j'ai mises en Égypte, je ne les mettrai pas sur toi. Ça veut dire que si tu ne les fais pas, ne t'attends pas à avoir du sang, des sauterelles, des grenades, des grenouilles et patati patata. Lo samti alecha. Mais si tu ne fais pas, donc pour cela, il fallait bien qu'il y ait les 10 plaies pour qu'on voit quelle maladie Dieu a donnée en Égypte. Pourquoi? Parce que pourquoi dans ce cas-là, il nous aurait libérés d'Égypte? Parce qu'on devait recevoir la Torah. Parce qu'il a surtout promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov de nous emmener dans le pays où s'écoule le lait et le miel. Eretz Kenan, la terre d'Israël. Comme ça, c'est marqué dans cette paracha que j'ai promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors dans ce cas-là, pourquoi il y a eu les 10 plaies? Parce qu'on va recevoir les 10 commandements. Et si tu entraves un seul des 10 commandements, alors ne t'étonne pas de te rappeler des 10 plaies. Que la plaie, numéro 1, je suis l'Éternel ton Dieu, a tué le Dieu d'Égypte qui était le Nil, qui est devenu du sang quand Aaron a planté son bâton à l'intérieur. Je suis l'Éternel ton Dieu. Et ainsi de suite. Chaque plaie viendra, patati patata, rendre des comptes. Voilà le rapport, entre autres. Il y a d'autres explications à cela. Oula, pourquoi il y a eu les 10 plaies? Parce qu'il y a eu un conflit, d'ailleurs qu'il sera un jour pour lui-même, entre Pharaon et Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit Pharaon? Mi Hashem chez Eshma Bekolo. Qui est Dieu pour que j'entende sa voix? Donc Akadosh Baruch Hu lui dit, Beyat Razaka Bishfatim Gedolim. Je viendrai avec de grands prodiges pour régler un compte avec Pharaon. Le sujet de pourquoi Pharaon est-il le principal acteur de tout cela est un sujet extrêmement prenant, intéressant et surtout très profond et masé d'actualité. Extrêmement profond, mais je ne vais pas développer ce sujet-là. Non, je ne vais pas le dévoiler. Non, non, je me dévoilerai comique V. Dévoiler des habits. Frazak. Alors, explication à l'psode, Rabbi Shimshon Astropoli, qui dit comme ça, pourquoi les 10 plaies?
Parce qu'il fallait faire descendre 3280 Malaché Chabala. D'accord ? Des anges. Ma ? Des anges. Non, c'est pas des anges, ils sont pas gentils. Les anges, c'est gentil, c'est pas gentil. Non, c'est dégueulasse. C'est... comme ça, tu vois. C'est pas... 3280 Malachim. Et des monts. Et là, on rentrerait dans des considérations des initiales des dix plaies. Sujet que j'ai déjà aussi expliqué en long et en large dans les cours, que vous retrouvez sur Torah Traim, très très puissant comme cours, sur les explications de Rabbi Shimshon Ashtropoli, qui explique là-bas le nom des anges qui se retrouvent dans les dix plaies, pourquoi il y a marqué Rabbi Akiba, Rabbi aussi, avec David Ameler, où c'est extrêmement puissant, extrêmement profond. On a l'habitude de le lire avant l'entrée de Pessah, entre Mincha et Arvit, ou avant Mincha, la veille de Pessah. Hein? Oui, c'est ça dont je parle. Et là-bas, en deux mots, il nous dit que les dix plaies vont être les couloirs des 3280 Malaché Chabala qui vont venir détruire l'Égypte. Pourquoi détruire l'Égypte? Tout simplement, écoutez bien, pour détruire la terrible Toum'a de l'Égypte, les Tsarino Arabes, qui devait passer par 3280 Malaché Chabala que Dieu a fait descendre pour nettoyer l'Égypte de sa Toum'a. Parce que depuis l'histoire de l'Égypte, la débauche égyptienne est complètement atténuée. Pourquoi il n'a pas envoyé Gabriel pour ça? Parce qu'il n'y avait pas la Touma, la même chose. On n'a jamais trouvé une Touma aussi forte que celle de l'Égypte. Elle était la métropole de toutes les impuretés et de toutes les immoralités, selon nos Chachamim. Sodome et Gomorre avaient deux impuretés. Deux. Donc deux anges suffisaient. C'est là? Là-bas, il y avait tout. À quel jour il l'a envoyé? Non, la question c'est pourquoi il n'a pas envoyé des anges? Pourquoi des Malaché Chabala, comme il a dit... Monsieur Bernard Zerbib, Lama. Parce que l'Égypte était imbibée de sorcellerie, imbibée de démons. Quand on parle que personne ne pouvait se sauver et que les chiens aboyaient, c'est pas des chiens waf waf. On parle pas de riri. On parle des démons. Les démons prévenaient les Égyptiens. Et ils avaient des gueules de chiens et des corps d'hommes à cette époque. C'est pour ça qu'on les retrouvera d'ailleurs, entre autres, en effigie, chez eux, c'est dans leur mythologie. En deux mots. Ok, et pour finir... Les sphirotes. Alors, Yonel nous a parlé des sphirotes. On va l'écouter puisqu'il se l'est ramené. Dix plaies, dix sphirotes. Hein. Lui, il a cherché. Qu'est-ce qu'il y a dix? T'as balancé toutes tes cartes. Alors, Manienne, de voir ensemble pourquoi il y a dix plaies et dix sphirotes. Eh bien, on va essayer de comprendre. Combien y a-t-il de couronnes dans les sphirotes? Y a-t-il de couronnes dans les séphirotes? C'est une question bête, hein? Hein? Deux, bonne réponse. Deux couronnes. Quelles sont-elles? Il y a Malchut et... Bia Sher Salfati, il y a Keter et il y a Malchut. Alors, il y a Tikouijik. Bia Sher, on continue avec toi. Quelles étaient les deux couronnes que s'était mis sur la tête Pharaon? C'est facile. La première, roi d'Égypte. Et la deuxième, dieu d'Égypte. Le roi David, il appartient à quelle sphira? Malchut. Et le créateur? C'est des questions simples que je pose, vous savez. Il n'y a pas d'abracadabra là-dedans. C'est vraiment une question de béaba. Pharaon, il a dit, je suis le roi d'Égypte et je suis Dieu. Combien il s'est mis de couronnes? Deux sur la tête. La première de la première sphira en bas et la plus haute, Keter. Keter qui appartient à Dieu. Donc on comprend ici pourquoi il lui dit plaie. Parce qu'en déclarant cela avec les forces du mal, il est venu rendre tamés les dix sphirotes de la création, prétendant qu'il était le roi et qu'il était Dieu. C'est pour ça que dès qu'il y avait un miracle qui se faisait par les plaies de Dieu, il me dit, nous aussi on peut le faire. Moi aussi je suis Dieu. Bon, allez, j'accepte l'idée qu'il y a un copain qui s'appelle Dieu. C'est Pharaon. Et étant donné qu'il a noirci les dix sphirotes par la Touma, il fallait les dix plaies pour répurifier les dix sphirotes qu'avait rendu impur Pharaon. Et la reine, oui, il y a un rapport direct entre les sphirotes, effectivement, et les dix plaies du pays d'Égypte. Voilà pourquoi, en fin de compte, les choses auraient pu se régler, certes, avec Dieu fait ce qu'il veut, ou il change, comme c'est marqué, je mettrai de la grâce dans le cœur des Égyptiens qui vous donneront d'eux-mêmes leur or et leurs diamants, leurs bijoux. Ouais, il a mis de la grâce. Il aurait changé le cœur de Pharaon, cœur de pierre en cœur de chair. Il aurait fait en sorte que Pharaon, il ait de la pitié, simplement son homme, pour les Hébreux, et qu'ils disent, voilà, eh ben, tu sais quoi, Nigmar Hasipour. Vous savez, ça me rappelle l'histoire de David Ameler. Le roi Shaoul a perdu la guerre avec les Philistins. Il a perdu cette guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris l'Arche d'Alliance. Vous vous rendez compte un petit peu? Ils ont pris l'Arche d'Alliance. Là où se trouvaient
d'une certaine façon, la présence divine a été emmenée dans les tunnels. C'est pas une blague ce que je vous dis. Regardez dans Shmuel, fin de Shmuel Aleph, ils ont pris avec eux l'arche d'alliance, les Philistins, sur la bande de Gaza. Je vous parle d'une histoire du roi David. Hein. Ils les ont emmenés là-bas. Ok, très bien. Est-ce que vous avez déjà vu le Tanakh? Vous avez déjà lu la Bible? Comment est-ce que, sans guerre, ils vont ramener très très vite les Philistins sur le littoral de Gaza, okay, sur le littoral d'Israël? Ils vont la ramener en urgence, c'est le roi David, en urgence. Tiens, 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 tiens! Makara. Il y a eu une épidémie, presque. Hein? Non. Et c'est important d'étudier la Bible. Moi, ce que j'ai étudié dans les Shivot Rav Kook, ce qu'il y avait dans les Shivot Rav Kook, c'est qu'on étudie la Bible. Non, aucune Makefa. Trorim. Trorim. Akadosh Baruch Hu leur envoyait des hémorroïdes de 500 livres, d'un kilo. La souffrance était tellement difficile qu'ils avaient tous des hémorroïdes. Comme ça, c'est marqué. Trorim. Kashim Meod. Ils ont compris que c'est l'Arche d'Alliance. Ils ont ramenez-la vite. Mais Irziru, le Aaron Haïdout, ils ont vite ramené le Aaron Haïdout. Il suffisait simplement, à la limite, d'envoyer 2 kilos d'hémorroïdes à Pharaon pour qu'il arrête ses ch'toi. Tu veux qu'il parte? Il n'y a rien à faire. D'accord? Tu veux qu'il parte? Il n'y a rien à faire. Pharaon, il souffrait de la lèpre, il souffrait de ceci, il souffrait de cela. Lama. Pourquoi il n'a pas agi ainsi? L'une des raisons aussi, je finirai avec celle-là, c'est que Kadosh Baruch Hu l'a dit, Leman tesaper bozen mincha. Ben mincha et asher et alalti be mitzrayim. Si les 10 plaies ont eu lieu, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire une fête avec une seule plaie. Il y a 10 spectacles. Alors c'est pour qu'on en parle. Toujours Akadosh Baruch Hu, Leman am Israël, cette situation de l'Égypte terrible, de la souffrance qu'on a vécue, des 10 plaies qui ont été vécues, de la mort de 80% d'enfants d'Israël en Égypte, va donner naissance à la plus belle fête juive. Pourquoi j'ai la plus belle fête juive? Parce que j'ai un minhag chez moi à la maison, à table, j'ai toujours posé des questions. Et les questions que je pose de temps en temps, quand j'ai nous invités, c'est « Quelle est ta fête préférée ?» Et je vous affirme que, majoritairement, c'est toujours la fête de Pessah qui est dite par les gens. J'adore Pessah. Et cette fête-là, quand on voit qu'est-ce qu'on commémore, ben, c'est pas très joyeux. Hein. Et 10 plaies, des millions de morts, 80% du peuple d'Israël qui meurt. Mais ça réinsère quelque chose, c'est la Emouna. Et donc, on ne pouvait pas faire avec une seule guirlande une belle fête, il fallait au moins 10 guirlandes, 10 belles décorations, à l'image des enfants d'Israël, guirlandes, ça fait un peu Noël, mais c'est juste l'idée à prendre pour qu'il y ait ces 10 lumières, Bezrat Hashem, pour éclairer nos pas. Voilà, il y a encore d'autres explications, mais on va s'arrêter là, et faire comprendre que Baruch Hashem, à quoi il sait les Tovav et les Bracha, et que quand on passe par un tikkun, ou qu'on doit prendre des antibiotiques pour 10 jours, on ne peut pas s'arrêter à 5 jours, il faut aller jusqu'au bout, parce que quand le tikkun est fini, alors ça fait une belle fête pour toute la famille. Baruch Adonai le Olam. Amen. Amen.